Donc la réouverture du muséum de Bordeaux a fait l'objet d'une démarche de mécénat qui a été portée par Bordeaux Métropole et par la ville de Bordeaux, compte tenu du rayonnement et de l'intérêt métropolitain de ce projet. Cette démarche de mécénat a très bien fonctionné puisque 9 entreprises soutiennent ce projet. On a bien sûr eu des mécènes qui se sont positionnés sur un mécénat financier, comme c'est le cas par exemple du groupe Duval, qui a tout particulièrement choisi de soutenir les actions de médiation en faveur des personnes qui sont porteuses de handicap. On a également le Crédit Agricole Aquitaine qui soutient ce projet, le Crédit Municipal, Kaufmann & Broad, et on a également des mécènes qui ont choisi de soutenir ce projet par des mécénats en nature ou de compétences, comme c'est le cas de la librairie Mola, mais aussi du Château des Arras, de la Franchie, ou encore de la Toque Cuivrée, à travers une initiative très originale, puisque une boîte collector a été dédiée au Muséum de Bordeaux pour sa réouverture. Et pour chaque boîte vendue, 1,50€ sera reversé par la Toque Cuivrée au fonctionnement du Musée des Tout-Petits. On a le même type d'initiative avec la société Artus Bertrand, qui a été conquise par la balustrade de l'escalier du muséum et qui en a fait une manchette en édition limitée, pour laquelle il y aura également une partie des bénéfices qui seront reversés au fonctionnement du muséum.